Salut à tous! Je viens de recevoir deux colis, donc juste à l'instant, 19h hein, comme d'habitude, merci la poste. Donc ça c'est deux colis qu'un abonné, l'un d'entre vous m'a envoyé, donc je remercie beaucoup Thibaut d'avoir pensé à moi. C'est du matériel dont il ne se sert plus et je me suis dit qu'on allait ouvrir ça ensemble pour que vous puissiez découvrir. J'ai une petite idée de ce que c'est, mais je n'ai pas le détail, donc ça sera quand même un peu la surprise. Donc ça va être une vidéo très rapide, je vais regarder tout de suite ce qu'il y a dans les colis. Allez, on va commencer par le plus gros. Donc encore une fois, merci à Thibaut, merci à toutes les personnes qui m'envoient gentiment du matériel qu'ils n'utilisent plus ou qui préfèrent m'envoyer carrément du matériel à tester. Dites donc, il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Voyons ça, il y a plein de trucs, c'est sympa comme tout. C'est un peu Noël avant l'heure. Hein. Une épuisette triangulaire, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas vu, mais c'est vrai que c'est bien pratique. Pour les angles des aquariums. Donc là, grand modèle pour les poissons rouges, par exemple, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un filtre interne, un super fish. Alors, c'est une marque que je connais pas plus que ça. Donc, ce sera l'occasion pour moi de regarder quand j'en aurai besoin. Je vais pas forcément l'utiliser tout de suite, mais ça peut être intéressant. On va regarder rapidement. Alors, il m'avait dit que la majorité des choses étaient quasiment neuves. Donc ça, je veux bien le croire. Hein. C'est vraiment très peu utilisé, ça se voit, donc c'est vraiment très sympa de sa part de m'envoyer tout un tas de petites choses comme ça, vraiment très sympa. On dirait même carrément que c'est neuf, je ne suis même pas sûre qu'il l'ait utilisé. Hop, un petit filtre interne, donc ça peut toujours dépanner quand vous faites de l'élevage par exemple, vous avez toujours besoin d'un petit filtre exhausteur ou un petit filtre interne pour isoler des poissons. C'est plutôt pas mal, donc un 400 litres heure, 100-200 litres capacité de l'aquarium. Je le répète, je ne connais pas du tout cette marque-là, ni ce modèle, donc a priori, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas bien. Hein. Généralement, même les sous-marques marchent très bien dans le matériel aquariophile. Après, c'est juste des questions de praticité, généralement. Donc ça, je vais ouvrir après, parce que je n'ai pas pris mon couteau, j'ai recherché. Une cartouche charbon pour osmoseur, toute neuve. Donc je ne sais pas s'il se sert plus de son osmoseur ou il en avait une en trop. Donc ça va être pratique pour changer la cartouche de mes osmoseurs, parce que j'en ai pas qu'un, j'en ai deux. À voir s'il va sur mon deuxième modèle. Mais en tout cas, elle est toute neuve, donc super sympa de m'envoyer ça, parce que c'est pareil, toutes ces petites pièces-là, c'est pas donné. Donc un petit filtre à charbon pour un osmoseur, mais il y a vraiment plein de trucs, quoi. Je pensais pas Thibaut que tu m'enverrais autant de choses, c'est génial. On va regarder ici. Reactive CO2 Generator Instruction. Donc ça doit être un module CO2. Bon, je vais chercher mon couteau parce que je ne vais pas m'en sortir, encore plein de trucs à ouvrir. Donc a priori, là on part sur du CO2. Ah, un kit vraiment stylé. Pour du CO2 à l'acide citrique et bicarbonate de soude. En plus, c'est marqué dessus, acide citrique, soda. Oui, ça c'est le mélange en fait. Vraiment pas mal. Honnêtement, je n'avais pas remarqué qu'ils en vendaient des comme ça. C'est très stylé et ça m'a l'air plutôt stable tout ça. Les réglages ont l'air assez faciles à faire. Des petits joints, donc ça c'est pour remplacer les petits joints qui vont ici sur les bouteilles. Le kit avec du tuyau, des ventouses, ça c'est pour aller dans l'aquarium. Donc vraiment, vraiment sympa ce petit kit CO2 pour CO2 artisanal avec acide citrique. Donc en fait, il me disait qu'il ne se servait plus de ce système acide citrique tout simplement parce qu'il était passé au système CO2 SodaStream dont je vous parlerai, mais j'ai pas le temps encore de tout faire. Et comme j'ai fait pas mal de vidéos sur le CO2 artisanal, du coup avec le SodaStream, ça en fait encore une. Donc ça viendra, je vous en parlerai. Ça marche très bien déjà, sachez-le. C'est assez pratique. Je vous en parlerai. Donc pour le moment, moi je reste effectivement à l'acide citrique parce que c'est ce que j'utilise le plus. J'ai encore des réserves et puis comme j'utilise pas de soda stream non plus, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ça c'est un compte-bulle, voire même deux compte-bulles.
différents compte-bulles, très sympa. C'est des accessoires, effectivement, bah encore pour le CO2. Hein. Ça vous permet de compter les bulles que vous mettez dans votre aquarium. Donc, c'est un accessoire, encore une fois, qui va avec le kit qu'on vient de voir. Hein. C'est des choses qui sont complémentaires. Donc, il y en a un qui est tout neuf, tout neuf, tout neuf. L'autre qui a servi, mais franchement, il est largement réutilisable. D'ailleurs, un petit mot pour les personnes... qui m'envoient des choses, ou même les personnes qui regardent les vidéos, c'est vrai que recycler des choses comme ça que vous ne servez plus en les donnant à des aquariophiles proches de chez vous, de la famille, des amis, ou si vous avez un club d'aquariophilie près de chez vous, c'est très difficile de vendre certaines choses en aquariophilie. En plus, bon, c'est pas évident, les acheteurs sont pas toujours très corrects. Donc, au lieu de jeter, évidemment, essayez de donner ou autre. Qu'est-ce que c'est ? Des tablettes de CO2. Ah oui, alors ça, effectivement, on en a parlé. Donc, c'est chinois. Donc, a priori, ce sont des petits... je vais peut-être en ouvrir un, là, pour vous montrer, parce qu'il y en a... Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Ce sont des petites pastilles, une fois mis dans l'eau, qui font du CO2. Hop, on va en ouvrir un pour vous montrer. Donc, là, les petites pastilles... Donc ça, une fois que vous les mettez dans l'eau, ça c'est effervescent et ça fait du CO2 dans l'eau de l'aquarium. J'ai jamais testé, enfin j'en ai testé, mais pas des chinois. Je suis pas spécialement fan, mais bon, pourquoi pas. Faudrait que je reteste plus précisément ces petites tablettes de CO2. Voilà, donc je vais remettre ça ici. Donc il y en a plein, donc j'ai de quoi faire. Hein. Si j'ai besoin de CO2 dans un bac... Dans un bac de secours, j'aurais de quoi faire. On va essayer d'ouvrir ça. Waouh, c'est lourd. Hop, c'est pas léger. Quick. Ah, il y a encore plein de petites choses. Alors, ah, des sachets d'acide citrique en individuel. Donc moi, vous l'aviez vu dans la vidéo que j'avais fait, j'avais acheté un petit pot. Et là, c'est des sachets individuels. Donc, c'est l'avantage, c'est qu'en fait, bah, quand vous l'ouvrez, ce petit sachet, bah, vous êtes tranquille, quoi. Ça va se garder. Vous n'êtes pas obligé de tout ouvrir. Donc là, je le redis, hein, Thibaut ne veut plus utiliser la solution acide citrique bicarbonate de soude. Il utilise le Soda Stream. Donc, forcément, ça lui servait plus. Donc, c'est très gentil d'avoir pensé à moi, parce que moi, effectivement, j'utilise toujours cette solution-là qui me convient parfaitement pour le moment. J'utilise aussi des CO2 classiques qu'on peut trouver en bouteille, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'utilise pas mal cette solution-là. C'est très, très bien. Impeccable, vraiment très très sympa. Youp, là, j'ai de la réserve, surtout que moi je commençais à plus trop en avoir. Donc c'est le hasard, hein, parce qu'évidemment ils ne le savaient pas, mais c'est vrai que je commence à être à court. J'ai fait ma dernière bouteille avant-hier, je crois, et je ne devais même pas en avoir assez pour faire une autre réaction. Alors désolé si j'ouvre ça un peu la sauvage. Alors qu'est-ce que c'est ? Des tests. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a phosphate. C'est phosphate. C'est test phosphate. Donc là, c'est pareil. Peut-être qu'ils s'en servaient plus. Donc, c'est sympa de me les avoir envoyés. Phosphate, c'est vrai que c'est pas le test qu'on se sert le plus au monde. C'est vraiment quand on a des soucis d'algues, etc. On va tester ça une à deux fois par an. Donc du coup, c'est vrai qu'on a vite fait de perdre le test. Surtout qu'ils ne sont pas donnés, les tests de phosphate. Il doit m'en rester encore, mais très sympa de me les avoir envoyés s'il ne s'en sert plus. Donc voilà, test de phosphate JBL. Donc une bonne marque et quelque chose de précis. Alors, on continue. Et c'est que je ne suis pas encore à la fin du premier carton. Ça, c'est de l'unboxing. Encore un kit pour du CO2 à l'acide citrique ou du CO2 artisanal avec levure et sucre. Donc ça, c'est cool par contre parce que j'ai des petits bouchons supplémentaires. Je pourrais m'en servir bah, soit pour refaire encore une autre bouteille, soit pour faire d'autres bricoles en aquariophilie. Des petits bouchons comme ça,
Ça peut servir sur plein de choses. Donc là, en l'occurrence, plus précisément, le CO2, ça nous est vendu pour ça, mais on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Donc des petites bricoles à mettre dans tout mon bazar aquariophile. Un jour, il faudra que je vous le montre. J'ai tellement de trucs depuis 20 ans. Et là, bah, le kit classique, un peu comme celui que j'avais montré dans la vidéo, hein, avec le manomètre, et puis du tuyau, le petit robinet, les petits capuchons. Donc de quoi faire du coup deux voire trois installations CO2 artisanales avec tout ça. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'en fait moi j'en ai qu'un seul, hein, celui que je vous ai montré dans la vidéo. Le reste c'est CO2 artisanal sucre plus levure pour mes aquariums les trois quarts du temps. Alors on va ouvrir ça. Hop là. Ouh, on arrive à la fin du premier carton. Tac. Alors, oui, mais encore, j'ai pas ouvert les petits trucs. Non, c'est pas fini alors. On va ouvrir ça. Hop. En tout cas, Thibaut, chapeau, super emballage. Waouh, il y a encore plein de choses. Ah, les instructions pour le kit de tout à l'heure. Hop, je vais le mettre avec. Super. En plus, je voulais en acheter un. Décidément, tu lis dans mes pensées. Un filtre exhausteur double. Donc voilà. Hop. Donc ça, c'est pour. Je voulais remplacer les simples que j'avais achetés dans mes bacs à crevettes pour mettre un double. Donc là, c'est plutôt cool. Je vais pouvoir le faire. Du coup, je vais le rincer et je vais pouvoir installer ça directement dans mes bacs à crevettes. Donc merci beaucoup. Hein, c'est des accessoires, ça. Comme le petit filtre interne, ça peut toujours être utile. Encore une fois, surtout si vous faites comme moi beaucoup de bacs, que vous faites beaucoup de reproduction ou autres crevettes ou poissons, c'est des accessoires toujours utiles. Alors, un petit emballage dans le petit sac. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être du charbon. Oui, c'est du charbon actif dans une petite chaussette. Donc du charbon actif. Hop, ça c'est pareil, toujours en avoir un petit peu à la maison, c'est pas la peine d'en avoir des kilos et des kilos, mais un petit peu de charbon actif à la maison, ça vous aidera toujours si vous faites par exemple un traitement médicamenteux, à absorber le reste du médicament en fin de traitement. Donc avoir toujours un tout petit peu, ça par exemple ça suffit pour avoir vraiment ce qu'il faut sans galoper un peu partout. Ça c'est de la solution buffer. Pour calibrer les pH mètres, donc ça m'est utile vu que j'ai un pH mètre, donc excellent, merci beaucoup à toi si tu t'en sers plus. Là c'est pour les osmoseurs, un flow 450, il faudra que je vous explique plus précisément à quoi ça sert. Hop. On dirait presque qu'il arrête l'aquariophilie tellement il m'a envoyé de trucs, c'est impressionnant. Merci beaucoup encore une fois. De l'isicarbo, donc ça c'est du CO2 liquide. Très bien aussi pour lutter contre les algues quand vous avez vraiment tout essayé et que vous n'y arrivez pas. Les algues vertes, ça les flingue si vous en mettez une dose suffisante. Évidemment, jamais surdosé non plus, attention aux poissons et aux crevettes. Mais l'isicarbo, très pratique, très utile. Un aimant. Un aimant, tout ce qu'il y a de plus classique, mais il est quasiment tout neuf. Ça, c'est plutôt cool parce que moi j'en ai, mais ils sont hyper abîmés. Les petits picots ici s'en vont, enfin, ils sont hyper vieux. Donc, ça, pour mon 240 litres, je pense qu'il va être utile. Merci beaucoup encore. Un petit aimant de nettoyage. Donc, ça, on a vu. Et c'est impressionnant tout ce que tu m'as envoyé, Thibaut. Impressionnant. Des médicaments. Donc, là, c'est contre les points blancs. Tout simplement, de la marque Serra. Alors, marque Serra, c'est vrai que je l'utilise de moins en moins. C'est une marque qui se perd un peu, mais qui est quand même efficace. Médicaments contre les points blancs. J'en avais encore un petit peu, mais ça peut dépanner. Un petit truc de CO2. Donc ça va avec les kits CO2, c'est des petits joints. De la nourriture Goldfish granulée. Bon, ça, je vais le donner à mes poissons rouges en bassin, je pense. J'utilise plus trop la marque Tetra. J'utilise plutôt de l'Icarie en ce moment, mais
On va la finir, hein, c'est à moitié plein, donc on va finir ça. Idem, hein, toutes ces nourritures, il y a des dates de péremption dessus. Là, par exemple, ça va jusqu'à mai 2021. Mais même périmé, vous pouvez vous en servir pendant 4-5 ans encore. Hein. Ne jetez pas toutes vos boîtes parce qu'elles sont périmées depuis un mois ou même un an. Ça tient, hein, c'est de la nourriture vraiment lyophilisée. Il n'y aura pas de souci pour la santé de vos poissons. Un kit CO2. CO2 Start de chez Sera. Alors celui-là, je ne le connais pas du tout, clairement. Je vous le disais, Sera, c'est pas une marque que je regarde beaucoup. Ouais, ça a l'air d'être une pastille à mettre. Ouais, on va regarder. Je ne connais pas du tout. Alors, je pensais que ça serait une vidéo courte, et puis en fait, ça va être une vidéo super longue. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc il y a bien des pastilles, hein, et puis on doit mettre ça dans la petite chose que voilà. Oui, bah je connais pas tout, hein. Il y a tellement de choses qui se font avec tellement de marques différentes, donc pourquoi pas, à tester éventuellement, hein. Ça peut être un système comme un autre, donc je verrai, je testerai très certainement dans au moins un bac, je vous en reparlerai peut-être, on verra ça. Ici, qu'est-ce que c'est? Alors tout est marqué en chinois, japonais, ça va être dur, a priori c'est du CO2 aussi. Donc là, j'ai de quoi faire du CO2 pour 20 ans, à peu près. Donc ouais, c'est des pastilles de CO2. Donc comme tout à l'heure, hein, vous mettez dans l'eau, ça fait des bulles, et ça fait du CO2 dans l'eau. Hop, voilà, c'est une marque chinoise aussi. Et enfin, on a un mini flipper. Alors de cette taille-là, j'en ai pas. J'ai des plus petits flippers de chez Demerlé, mais c'est, à mon avis, un des systèmes CO2, pas le plus beau, on est d'accord, pas le plus discret non plus, mais un des systèmes de diffusion de CO2 qui marche le mieux, parce que vous allez vraiment constater que les bulles vont diminuer, elles sortent par ici, elles vont monter tous les escaliers, et arriver en haut, elles sont vraiment toutes petites. Et c'est à ça qu'on voit que le CO2 a bien été dissous dans l'eau de l'aquarium, en fait. Donc c'est pas beau, mais c'est un très bon système de diffusion de CO2, les flippers. Donc merci beaucoup, ça encore je pense que ça va aller dans mon 240 litres, je vais l'équiper avec ce flipper là, tu peux en être sûr Thibaut. Donc merci encore beaucoup. Alors attends, je fais un peu de rangement parce que sinon je vais pas réussir à tout ouvrir. Alors j'ai pas ouvert ça, qu'est-ce que c'est? C'est des Twix. C'est des Twix. Ah, c'est gentil, il a pensé à mon taux de sucre, hein, très important. Hein, rester bien sucré. Il faut rester en forme pour faire les montages. C'est plutôt sympa. Merci beaucoup. Donc je mangerai ces petits Twix à ta santé avec un petit café, je pense. Ah, ça doit être un chauffage, je pense. Je vois pas encore, mais vu comme il l'a emballé, je pense que c'est un chauffage. J'aurais dû prendre ma pince coupante, du coup. Ça devrait y aller aussi. Alors, un petit chauffage de chez Aquarium System, donc une bonne marque aquariophile. Il n'a pas dû beaucoup servir, lui non plus. Hop, ici, on règle la température et ça monte, ça descend. Hop là. Alors ça, évidemment, ce n'est pas des modèles électroniques, mais ces modèles analogiques fonctionnent quand même très très bien. C'est un, pour ceux qui se poseraient des questions, 200 watts. Donc 200 watts, on peut déjà chauffer pas mal d'aquariums avec ça. Donc bah ouais, merci beaucoup du cadeau. Ça coûte quand même pas mal tout ça. Je vais mettre ça par ici, je crois que j'ai ouvert tous les petits paquets. Hop, on va mettre tout par là. Et ben, on va ouvrir le deuxième maintenant, parce que bah ouais, c'était que le premier. Alors, hop, je crois que c'est encore de l'acide citrique et du bicarbonate de soude. Vu les petits emballages, vu que j'ai les mêmes, j'en avais acheté aussi en seau. Hop. Donc là, oui, c'est de l'acide citrique et du bicarbonate de soude. Donc des restes qui n'utilisent plus. Donc voilà, du bicarbonate de soude, je ne vous l'ouvre pas parce que c'est une poudre très fine et que je ne voudrais pas en mettre partout. Donc vous l'avez déjà vu dans mes vidéos
sur le CO2 artisanal, acide citrique et bicarbonate de soude. Et puis ici, bah, c'est pareil, alors, il y a un petit sac. Donc c'est bien du bicarbonate de soude. Donc là, du coup, j'ai vraiment de quoi faire. Acide citrique et bicarbonate de soude à foison. Donc j'ai un stock pour un bon moment. Là, je devrais être tranquille. Si je fais du CO2 sur 2-3 bacs avec cette méthode-là, puisque actuellement j'alterne avec levure, sucre et bicarbonate, acide citrique, si je fais que avec cette méthode-là, je pense que sur 2-3 bacs, je suis tranquille. Facile, 6 mois, 1 an, suivant le dosage que j'utilise. Donc il y a de quoi faire. Merci, merci, merci encore beaucoup. Que dire d'autre que merci. C'est juste énorme. Un unboxing bien plus important que ce que j'imaginais. Gros, gros unboxing. Je vais ranger tout ça. Je vais du coup aussi préparer de nouvelles bouteilles d'acide citrique. Faut que je récupère juste des bouteilles de soda maintenant pour faire ça, parce que j'en ai pas. Mais voilà, j'ai plein de trucs à voir, plein de trucs à ranger. Il y a aussi des choses, je pense, que je vais offrir. Peut-être que je ne me servirai pas. Je pense notamment au chauffage, parce que j'en ai plein. J'en ai plein partout. Surtout que maintenant, j'utilise principalement du chauffage externe dans quasiment tous mes bacs. Et j'ai déjà au moins 4 ou 5 thermoplongeurs de secours pour faire des bacs d'élevage ou d'isolation. Donc du coup, peut-être que ce sera soit celui-ci, soit un des miens que je vous offrirai. En tout cas, il y aura des petites choses que je ne vais peut-être pas me servir, que je vous offrirai. Mais ça, c'est en accord avec Thibaut et je lui avais demandé s'il était d'accord et il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci pour vous offrir les petites choses dont je ne me servirai pas parce qu'encore une fois, je préfère que ça serve plutôt que ça soit perdu. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, de bonnes vacances suivant quand vous allez regarder cette vidéo. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. Allez, bye bye.